Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé, ça y est, de vous montrer mon top jeu vidéo de tous les temps. Eh bien écoutez, c'est un choix très subjectif, j'en ai oublié certainement plein comme d'habitude. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, c'est très 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 difficile comme exercice. En tout cas, c'est parti. Alors, on démarre avec, alors je vais en oublier plein, mon top 20, Unreal Tournament. Unreal Tournament, pourquoi? Parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup sur PC et franchement, c'était le jeu auquel je jouais le plus. C'était un FPS dingue d'un point de vue réalisation. Il y en a plein d'autres qui m'ont marqué. Moi, j'ai démarré avec Hérétique. Pour celles et ceux qui ont connu, c'est un vieux, vieux jeu. D'ailleurs, je dois avoir une image de Hérétique. J'ai failli le mettre dans le classement. C'était mon premier FPS. Il y a eu derrière les Doom, les Duke Nukem. Mais franchement, le Unreal Tournament, j'ai pris une gifle. Il y avait une scène sur le train et tout. Enfin voilà, c'était génial. C'était du multi. C'était terrible. Unreal Tournament, j'étais obligé de le mettre dans le classement de mes jeux vidéo. Derrière, en numéro 19, Lost Planet. Je sais, ça peut vous paraître dingue. Ce jeu, mais il était réalisé de façon exemplaire. Je le trouvais magnifique. Vous le savez, j'ai toujours aimé les beaux jeux. Et à l'époque, ce jeu, waouh, il m'a fait surkiffer ma console de cœur, la Xbox 360. Je l'ai trouvé tellement génial, ce jeu. C'était fun. Il y avait des trucs qui sortaient de la neige. On les canardait. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, ce Lost Planet. Les épisodes suivants, je les ai trouvés moins bons. Je les ai même pas finis. Je crois même que il y en a un que j'ai pas fait. Mais vraiment, ce 1, je rêve d'un remake. On parle beaucoup de remake de jeux. Et bien, franchement, un Lost Planet remake, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, 19e de mon classement. En 18e, Wipeout. Alors, quand je vois ces images-là, ça me fait mal au cœur. Oh, parce que c'est toujours la nostalgie qui embellit les choses. Mais moi, je me rappelle d'un jeu sublime. Sublime, c'est mon premier jeu PlayStation. J'avais acheté la console en revendant ma Super Nintendo avec tous mes jeux. Donc j'avais, je sais plus, je crois que c'était 2099 francs. Ça fait 300 euros à peu près. Et à l'époque, je m'étais tellement ruiné que je pouvais pas m'acheter de jeu. Donc j'avais eu le CD de démo. Et dedans, il y avait une démo de Destruction Derby, une démo de Toshinden, une démo de Wipeout. Et derrière, j'avais tellement craqué que je m'étais acheté Wipeout. C'est un jeu. C'était dur, la musique elle était dingue. En plus, je me demande si c'est dans le premier qu'il y avait la musique de Prodigy, qui est l'un de mes groupes préférés. Enfin, en tout cas, Wipeout, obligatoirement dans mon top. De tous les jeux de course, ça a toujours été mon préféré. D'ailleurs, il existe en VR, mais bon, j'ai un peu la nausée quand j'y joue, mais c'est dingue. Mais ce premier restera toujours et à jamais gravé dans mon cœur. Donc, 18e, Wipeout. En numéro 17, pareil, vous risquez d'être surprise et surpris. Le Beautiful Joe. Beautiful Joe, mais il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. D'ailleurs, on va faire une vidéo avec Fox sur le sujet, sur sa chaîne, car on est fans tous les deux. C'était génial. C'est un petit héros, super-héros, complètement barré. Mais vous pouviez gérer le temps, accélérer, ralentir. C'était la réalisation. Regardez, ce système graphique était complètement dingue. Franchement, si vous êtes amateur de rétro gaming, n'hésitez pas à l'essayer. Ce jeu est génial. Il fait partie de mes jeux vidéo préférés. Beautiful Joe, numéro 17. En numéro 16, mon jeu préféré VR. Le jeu qui a fait que je me suis dit la VR était vraiment quelque chose d'hyper important dans le jeu vidéo, c'est Moss. Moss, c'est un peu un Zelda-like. Donc c'est pas comme d'habitude, c'est-à-dire c'est pas de la VR où vous allez partir dans des mondes, regarder partout et puis vous aurez la nausée. Ce jeu-là, j'y ai joué plusieurs heures, je n'ai jamais eu la nausée. Car c'est devant vous, vous imaginez des maisons de poupées en fait positionnées devant vous et il y a une petite souris qui se faufile et qui vit son aventure. C'est-à-dire que vous ne bougez pas trop, ça donne pas mal au crâne, il n'y a pas d'effet de nausée avec ce MOS. Mais c'est du Zelda-like et ce qui est génial, c'est que vous devez vous lever, regarder un peu sous les portes, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un ennemi dans le trou là-bas? Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'il y a de l'eau? Ce qui fait que vous bougez pour essayer de trouver le meilleur chemin pour ce personnage. C'est génial, il est très très trop court, même je serais tenté de dire. Et le 2 vient de sortir, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai trop hâte. Mais vraiment, Moss 1, faites-le absolument, absolument. C'est le jeu à faire si vous avez un casque VR.
Numéro 16, mon jeu préféré VR, le MOS. Numéro 15, Devil May Cry. Devil May Cry, et franchement, je rajoute volontiers le 1. Le 1. Mais il m'énerve avec Devil May Cry. Plus ils en font, moins ils sont bons. Ça me saoule, même si le DMC était plutôt pas mal. Rien ne vaut le Devil May Cry 1. Rien. Il y avait un esprit un peu gothique. C'était dans des châteaux. C'était qu'on a totalement perdu derrière. Maintenant, c'est rock'n'roll, moderne, machin. Tout. Non, non, non. Moi, j'aimais l'ambiance du premier. Et d'ailleurs, à l'heure où on fait des reboots et des remakes de plein de jeux qui ont un an ou deux, arrêtez. Prenez des licences comme ça qui ont du vécu. Refaites-nous un remake de Devil May Cry 1. C'était tellement bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, numéro 15, Devil May Cry 1. En numéro 14, GTA. Et volontairement, alors vous verrez que pour les sagas, c'est compliqué de choisir. Donc là, j'ai mis le 1. Parce que moi, j'ai eu la chance, et je l'ai dans le garage en plus, dans ma gaming room, le GTA 1. J'ai eu de la chance de faire le GTA 1 qui était chaud, qui était très particulier. Fallait faire des livraisons de drogue et tout. C'était complètement barré. C'était vu du dessus, comme vous pouvez le constater. Mais je l'ai adoré. J'ai déjà, dès le départ, surkiffé le GTA. Et je me rappelle que j'avais des potes qui me disaient « Ah non, c'est particulier. » Je me rappelle qu'à la télé, ils en parlaient en disant « Il y a un jeu vidéo où vous pouvez vendre de la drogue et tout. » Ça fait un scandale. Mais dès le départ, j'ai trouvé ça fun. En plus, j'adore Micro Machines. J'adore les jeux de course avec des petites bagnoles vues du dessus. Donc, même esthétiquement, je l'ai trouvé fun. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez quel est mon GTA préféré, franchement, je vous promets, moi, le 1, il m'a marqué. Il y a des jeux comme ça qui vous marquent. Même si derrière, forcément, le GTA 5, il est tellement fabuleux. Je ne vais pas dire que le 1 est meilleur, mais j'ai envie de citer le 1, hein, juste pour lui faire plaisir et parce qu'il m'a terriblement marqué. Donc, numéro 14, GTA. Numéro 13, saga de cœur. Saga de cœur, le Gears. Alors, je vais vous dire, honnêtement, le 1, parce que c'est le premier que j'ai fait et que j'ai dit, quel claque. Le 2, parce que le 2, c'est le meilleur, point final. Et le 5, parce que enfin ils nous en ont refait un qui est génial. Parce que j'ai trouvé que le 3, 4, ça descendait un peu. Le 5 est fabuleux, je l'ai surkiffé. Mais le 2, c'est le meilleur. Le 2, c'est... Pouah, à l'époque, c'était waouh, 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 waouh. Et le 1, vraiment, qui reste très, très bon. En plus, il y a une version remasterisée qui passe plutôt pas mal. Sur la Series X, c'est bluffant. Donc, Gears, si vous ne les avez pas fait, je comprends pas. Enfin, celui qui a une Xbox et qui n'a pas fait Gears, j'ai du mal à comprendre. Faudrait qu'on en discute en commentaire. En tout cas, c'est l'une des sagas cultissimes de Xbox. J'adore Gears. Donc, numéro 13, Gears. Numéro 12, elle aurait pu être numéro 1, hein, cette numéro 12. Essayez de reconnaître, je vous laisse un peu réfléchir, c'est Secret of Mana. Secret of Mana, il aurait pu être numéro 1 dans mon top. Je vous dis, c'est compliqué de faire un classement. C'est fabuleux. C'est génial. C'est le jeu dont je me rappelle le plus. Même Link to the Past, vous voyez, Link to the Past, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés, on en reparlera après. Mais je sais pas pourquoi, Secret of Mana, c'est le jeu qui m'a le plus marqué sur Super Nintendo, quelque part. Je me rappelle de quand je l'ai acheté, je me rappelle de la boîte, je me rappelle de la façon dont j'y ai joué, du pote avec qui j'y ai joué, je me rappelle de tout. Secret of Mana, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir eu accès à la collection of Mana sur Switch avec le Mystic Quest, qui est l'un de mes jeux vidéo préférés sur Game Boy. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai mis, tiens, le Mystic Quest, on en parlera tout à l'heure, si, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais Mystic Quest sur Game Boy, Secret of Mana dans la même compile sur Switch, et en plus, le numéro 3 derrière, qui n'est jamais sorti en France, et cette fois-ci en français, enfin, collection of Mana, je crois qu'il n'y avait pas un jeu qui pouvait me faire plus plaisir que le collection of Mana. C'était un peu mon rêve qui se réalise. Donc, numéro 12, mais il aurait pu être numéro 1, numéro 2, numéro 3, Secret of Mana, donc derrière, on a du très, très lourd. Numéro 11, RE4. RE4, j'adore Resident Evil. Vous savez que j'ai peur, en plus, quand je joue à Resident Evil. J'essaye de les refaire tous, mais c'est compliqué parce que j'avais loupé. Alors, il paraît que c'est le meilleur, mais moi, j'avais loupé le code Veronica et tout le monde me dit « C'est le meilleur !» Donc, c'est dommage. J'aimerais bien les refaire toutes et tous, les Resident Evil. Mais c'est vrai que mon préféré, c'est le 4. Même si, honnêtement, contrairement à ce qu'on peut dire, moi, le 7, il a été décrié. Moi, je l'ai trouvé tellement bon. Il m'a fait flipper. Le 8, il est vraiment bon. Le 8, il est vraiment bon. Mais non, le 7, je l'ai trouvé meilleur à titre personnel parce que j'ai vraiment eu peur. Mais le 4...
Il était différent. Le 4 était différent. Il y avait un côté un peu gothique dans ses maisons. Il y avait un, je sais pas, c'était différent dans l'ambiance. J'adore Léon en plus. Et le 4, je l'ai fait sur, je crois que c'était la GameCube. J'avais acheté la GameCube Resident Evil rien que pour ce jeu. La manette, elle était nickel avec le jeu. Ça allait super bien. Je l'ai adoré. Je l'ai fini. RE4, c'est mon préféré des RE. Donc j'ai envie de dire toute la saga Resident Evil en numéro 11 du classement. Mais mention spéciale pour RE4. On enchaîne avec numéro 9. Vous l'avez peut-être pas reconnu car j'ai mis une image très particulière. C'est notre Link préféré, c'est Zelda. Et oui, numéro 9. Et là, on se dit, hey, pourquoi tu l'as pas mis avant? Honnêtement, je vous l'ai encore dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire du classement, on est là pour dire les jeux vidéo qu'on préfère. Il aurait pu être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Link, c'est fabuleux. Link to the Past, j'en ai des frissons rien d'en parler. Il y a très peu de jeux qui me font cet effet-là. J'adore Link to the Past. Ocarina of Time, mais c'est un jeu, mais sur la Nintendo 64, j'ai mis le jeu, j'ai lancé, j'ai plus jamais décroché. Ocarina, c'était fabuleux. Alors oui, je n'ai toujours pas fait Breath of the Wild. Oui, je l'ai démarré 3 fois, et oui, je me lasse vite. Je trouve que c'est un peu vide. Après, c'est peut-être parce que je suis au début, hein, il faut que j'avance. Mais non, là où Ocarina, je sais pas, il y avait quelque chose, une magie, Link to the Past, c'était fabuleux, Link's Awakening, m'en parlait même pas, sur Game Boy, je pourrais encore le refaire cet après-midi, tellement j'aime ces jeux. Donc Zelda numéro 9, mais c'est vraiment un chiffre pour dire de mettre un chiffre parce qu'il mérite beaucoup plus. Numéro 8, Uncharted, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, Lost Legacy, Abyss, je sais pas quoi sur la PS Vita, je les ai tous faits, je les trouve fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Uncharted? Les personnages sont attachants, la réalisation c'est dinguissime. Il y a encore des jeux aujourd'hui qui n'ont pas la qualité d'un Uncharted 2, donc c'est fabuleux, c'est fabuleux. Là on touche les sommets avec Uncharted. Mon préféré, honnêtement, j'irais Lost Legacy parce que je l'attendais pas. Je me suis dit c'est quoi ce bordel? Il y avait un petit côté monde ouvert à un moment donné. Ouais, j'ai envie de le mettre en avant. J'ai trouvé que visuellement, il était dingue. Il y a une scène avec des animaux, je ne vais pas vous la spoiler, mais qui m'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça plaisant. L'ambiance et l'immersion étaient folles. Donc, bien entendu, le Uncharted 4, je pense, reste le paf, paf, le sommet du sommet du sommet. Mais le Last Legacy, j'ai envie de lui donner une petite option. Donc, numéro 8, Uncharted. Numéro 7, Red Dead. Red Dead, mais pareil, Red Dead, je peux le mettre en 1. Je peux vous dire que c'est mon jeu vidéo préféré. Là, on arrive dans des jeux. Voilà, c'est le top du top du top. C'est du 20 sur 20 pour tous ces jeux. Et j'ai mis le 1 parce que moi, j'adore le 1, j'adore le 2. Les deux sont à faire. C'est un peu comme The Last of Us. Il y a part 1 et part 2. Alors là, ce qui est compliqué, c'est que Red Dead 1, c'est la suite. Donc Red Dead 2, c'est ce qui se passe avant. Donc je serais tenté de dire que Red Dead 1, c'est la part 2. Voilà, pour celles et ceux qui ont suivi. Pour les autres, c'est bon. Vous pouvez vous endormir calmement, no stress. Les deux sont excellents. Faites-les dans l'ordre que vous voulez. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait les jeux, ouais, il pourrait dire je vais faire Red Dead 2 et après j'enchaîne avec Red Dead 1. Ça pourrait être rigolo. D'ailleurs, si quelqu'un l'a fait parmi vous, je suis curieux de savoir un peu comment vous avez vécu l'expérience. C'est fabuleux, Red Dead, je sais pas quoi dire. J'aimais pas trop les westerns, les machins. Du jour où j'ai joué à Red Dead, je l'ai fini. Je me suis fait tous les films western qui existent au monde. Je suis devenu fan. Enfin, il a ce pouvoir-là d'avoir transcendé les gens qui y ont joué. C'est Rockstar, c'est fabuleux. Personnage de fou, scénar de fou, des lieux emblématiques, un jeu avec des possibilités énormes, énormes, et qui se renouvelle à chaque fois. Et hop, des nouvelles zones, le Mexique, le machin, c'est complètement dingue. Donc Red Dead, numéro 7, il pourrait être aussi numéro 1, tellement c'est dinguissime. Numéro 6, j'essaye d'accélérer un peu. Quantic Dream avec son Fahrenheit. Quantic Dream, vous savez, c'est mon studio de jeux vidéo préféré. Si un jour ils m'appellent, je leur dirai, bon, je vais étudier votre proposition. Non, j'adore Quantic Dream, c'est tout ce que j'aime. C'est du film interactif. Alors même s'ils aiment pas quand on dit ça, mais il y a un peu de ça. Et moi, justement, c'est ce que j'aime. C'est ce côté où on dépasse le côté gameplay. Il y a l'émotion en plus du gameplay. Il y a les sentiments, il y a le ressenti.
c'est fabuleux. Il y a très peu de jeux qui arrivent à nous faire vivre ça. Ma première expérience avec eux, c'est Fahrenheit. Ça m'a bouleversé. Donc, bien entendu, si on parle de qualité de jeu, je trouve que leur meilleur, peut-être, est Heavy Rain, de mon point de vue très subjectif. Mais Fahrenheit, non, je peux pas l'oublier. J'aime tout. La musique était dinguissime. J'écoute encore très souvent ma playlist sur Deezer qui s'appelle BO de Fahrenheit. C'est génial, Fahrenheit. Si vous ne l'avez pas fait, il y a une scène à la Matrix qui est complètement dingue. Vraiment, Fahrenheit, voilà. Ça, c'est fait. Le numéro 5, on arrive dans le top 5. Bam ! The Last of Us. M'en parlez même pas. The Last of Us, et ne me demandez pas le 1 ou le 2, car il n'y a pas de 1 et de 2. Il y a une partie 1 et une partie 2. C'est-à-dire que il est inconcevable de ne pas faire les deux. C'est un jeu à part entière. Il faut absolument faire les deux. C'est je sais pas, il y a des films comme ça où il faut avoir vu les deux. Ben, il y a des jeux comme ça où il faut faire les deux. Je trouve que c'est génial de l'avoir appelé partie 2 et non pas The Last of Us 2. Parce qu'il y a un message. Et le 1, il faut absolument le finir. Enfin, des jeux qu'il faut absolument finir, j'en connais pas 150 000. Et c'est vrai que celui-là, il faut absolument le finir. Quel scénario, quel revirement de situation, quelle émotion, quelle évolution des personnages dans leur relation, dans leur... Enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures, on va pas faire une vidéo de 35 minutes. The Last of Us, part 1 ou 2, top 5, parfait. Si vous les avez même pas fait, bon alors n'hésitez pas. Quand j'entends qu'ils parlent d'un remake, moi j'ai du mal à comprendre. Le 1, il est encore fabuleux. Pourquoi faire un remake d'un jeu qui est encore fabuleux, à part pour le pognon en tout cas? Bon, comme des pigeons, on l'achètera et on le fera en remake, parce que de toute façon, il le mérite. Mais vraiment, faites-le, c'est fabuleux. Il y a même une version remasterisée qui est nickel. En tout cas, top 5, The Last of Us. Top 4. Alors, top 4, on arrive dans le monstre du monstre du monstre. Franchement, je peux le mettre top 1, hein. Je peux dire que c'est mon jeu vidéo préféré. God of War. God of War, alors lequel? Je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, c'est compliqué. Je mets la saga God of War. Vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec le dernier. Je vais expliquer vite fait pourquoi. Moi, je dis God of War 1, parce que c'est le 1, parce que c'est ma première expérience avec Kratos, parce que personne ne l'attendait au moment où il est sorti. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré, manette en main, j'ai dit « Waouh, 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 c'est quoi ce jeu? Je suis en train de vivre un truc de vous, machin. » Donc, numéro 1. God of War 3, pour la claque. Pour la claque qu'il m'a mis. C'était le rêve de ce que je voulais dans un jeu vidéo beat'em all. L'écran bouge, on est sur le corps d'un ennemi. C'est... Puis c'est la fin de l'histoire, c'est tous les dieux, les machins. Enfin, le God of War 3 reste mon préféré, restera mon préféré. Après, un peu déçu par le dernier, ça m'énerve en fait. Je comprends pas comment on peut faire un God of War 3 comme ça. Enfin, je sais pas, ça manque de lien, en fait. Je trouve que le dernier God of War est fabuleux, mais ça manque de... Il manque le lien avec les précédents. Alors oui, on va me dire à la fin, blablabla, mais non, Kratos, c'est pas ça. Enfin, voilà, je ferai une vidéo spécifique, d'ailleurs, sur le sujet, mais j'étais un peu déçu par le dernier, pas par le jeu, qui est fabuleux, pas par le scénario, qui est fabuleux, mais parce qu'il manque le lien avec la saga de mythologie grecque d'avant. Il me manque ce lien et ça me gêne, ça me perturbe. C'est comme si on vous faisait un The Last of Us 3 et puis les personnages apparaissent et vous dites « Bah attends, pourtant, il s'est passé ça. » Bon, on ne vous dit pas pourquoi, c'est comme ça. Donc bon, je ne suis pas objectif, je le sais, vous allez me dire « Mais non, pitié !» Mais c'est mon point de vue très personnel. Donc, God of War, saga de cœur numéro 4. Numéro 3, il a été mon jeu préféré pendant... 25 ans, et d'ailleurs je suis super content parce que ça fait 25 ans que j'espère trouver mieux que ce jeu. Et ça y est, parce qu'il est numéro 3, donc j'ai trouvé mieux que ce jeu. Mais Final Fantasy VII, c'est toute mon adolescence, je passe un coucou à mon meilleur ami Rudy, qui a passé des centaines d'heures avec moi sur ce jeu, on l'a bouffé de tous les côtés, on le connaît par cœur, c'est fabuleux FF7. À l'époque, vous vous rendez pas compte à l'époque de ce que ça représentait par rapport aux autres jeux auxquels on jouait. Là, c'était un monde ouvert, il y avait des tonnes de possibilités, tu pouvais faire du snowboard, enfin, tu avais des jeux inclus dans le jeu, enfin, et c'était pas des mises à jour comme aujourd'hui via Internet de 40 gigas, quoi, ça tenait sur 3 disques, tu mettais tes disques, t'étais parti dans l'aventure. Des personnages de fou, un charisme de dingue, un scénar de dingue, aucune objectivité pour moi. Quand je parle de Final Fantasy, et d'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de
Mystic Quest. J'ai voulu mettre la saga Final Fantasy en numéro 3 parce qu'il y en a tellement qui sont bons. Le 7 est fabuleux, le 8 est fabuleux, le 9 est fabuleux, le 1 est fabuleux, le Mystic Quest sur Game Boy, mais je le trouve tellement génial. Et d'ailleurs, je vais le refaire sur la Switch, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, numéro 3, FF7, et je ne changerai pas. Numéro 2, c'est la surprise. C'est la surprise, et oui, Elden Ring. Pouah. Il vient de sortir il y a un mois et demi, là, mais Elden Ring, c'est... Je déteste les jeux difficiles. Je déteste les jeux From Software. Ça m'énerve, je n'y arrive pas. Ça me... J'ai envie de les faire, mais ça... Et là, vous m'avez aidé, vous m'avez conseillé, et j'ai simplement compris que... C'est pas que c'est dur, c'est juste qu'il faut les jouer différemment. Faut pas sauter sur tout ce qui bouge, comme dans un God of War, par exemple. God of War, tu vois n'importe quel ennemi, tu fais carré, 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 tu le démontes. Elden Ring, tu vois un ennemi, tu fais carré, 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 il te démonte, c'est la différence, mais vraiment ce jeu, alors je remercie Samagaga pour ce fond d'écran qu'il m'a transmis, je l'avais vu dans son émission Ne nous fâchons pas tous les lundis à 21h, et je lui ai dit est-ce que tu peux me l'envoyer, il m'a bien entendu répondu non, voilà, et il me l'a envoyé par la suite, mais Elden Ring c'est... J'ai fait une vidéo à mon test de Elden Ring, donc je vais arrêter d'en parler. Regardez mon test si vous ne l'avez pas vu, où j'espère vraiment, j'ai eu des bons commentaires sur mon test, des gens qui m'ont dit, t'as mis des mots sur ce que je ressens et tout, donc ça me fait super plaisir, parce que Elden Ring, ça a marqué ma vie de gamer, c'est fabuleux, j'ai pas d'autres mots. Numéro 2, bravo, bravo à eux. Et numéro 1, le meilleur pour la fin, vous le savez, vous me connaissez, pour celles et ceux qui connaissent la chaîne, Death Stranding. Death Stranding, Maître Kojima, c'est dingue ce jeu, c'est dingue, j'aime tout. Très 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 souvent, je le relance et je refais le premier quart d'heure. Je suis sûr que j'ai fait au moins 40 fois le premier quart d'heure. J'adore ce premier quart d'heure. Léa Seydoux, la grotte, les échoués, la petite musique, le petit MP3 qui balance Don't Be So Serious, qui est la musique que je préfère du jeu, la chute d'eau, la vapeur d'eau sur la rivière. Je connais par cœur cette première scène. C'est tout ce que j'aime. J'aime le voyage, j'aime Mike Horn. Les bouquins que je lis le plus, c'est tous les bouquins de Mike Horn. Et il y a ça dans Death Stranding. Il y a ce côté, t'es tout seul, tu te démerdes, tu pars à l'aventure à travers le monde. Il y a un côté trekking, il y a un côté vraiment voyage et découverte que j'ai peu connu. Il n'y a pas de chemin. Il y a une montagne, tu te démerdes, tu peux passer partout dans la montagne, partout. Et personne ne passera au même endroit. C'est ça qui est fou. C'est... Alors, il y en a qui diront, moi, j'ai aimé pour le scénar, pour ci, pour ça. Moi, le scénar, honnêtement, je trouve qu'à la fin, c'était tiré par les cheveux, ça part trop loin, mais c'est du Kojima. Bon, par contre, j'ai lu tous les mails, les machins, donc j'étais quand même hypé par le lore et par l'ambiance générale. Le scénar, j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais j'ai dit qu'il va très, très, très loin, Kojima. Mais moi, c'est pas ça qui m'a plu, c'est vraiment ce côté, on est seul, on part à l'aventure, on n'a pas besoin de tuer, c'est quand même dingue, un jeu qui, je crois que j'ai mis 70 heures à le finir, et on peut faire le jeu sans tuer, sans tuer. Et ça change quoi de tous ces jeux avec des armes, des points, des boss, c'est pas du tout ça Death Stranding. Et on galère et on souffre et c'est dur et on a envie de claquer la manette. C'est comme certains films qui sont durs à regarder, qui sont laborieux, mais qui pourtant sont des grands films. Et je trouve que c'est là où Death Stranding tire son épingle du jeu. C'est moi si je joue aux jeux vidéo, c'est pour vivre des expériences. C'est un peu des films interactifs. En plus du film, on a cette possibilité d'interagir, d'être acteur en fait de notre film. Et c'est ça que j'aime dans le jeu vidéo. Et Death Stranding m'a proposé de vivre des choses folles. Dans la neige, des trucs où on est paumé, l'écran est blanc. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? L'écran est blanc, il y a une tempête de neige. Je ne sais même pas si devant moi, il y a un précipice, une rivière. Je ne vois rien. Et on n'en peut plus et on râle. Et d'un seul coup, au bout d'un quart d'heure de galère, on voit un petit brin d'herbe, deux brins d'herbe. On sent qu'on approche, le temps se calme, ça c'est... Pouah, c'est... Voilà, j'ai pas les mots. Il y a plein de vidéos de Death Stranding sur la chaîne si vous voulez avoir mon test, mon avis et compagnie. En tout cas, j'arrête la vidéo parce que je vois qu'elle commence à durer depuis trop longtemps. Mais j'ai pris tellement de plaisir à vous parler de tous ces jeux-là. Donc, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si là-dedans, il y a des jeux que vous kiffez. Mettez vos classements. Alors, 1, 2, 3, 5, 10, on s'en fout. Mettez-vous pas la pression. Mettez même pas de chiffres si vous voulez. Mettez-moi des noms de jeux qui vous ont marqué. Ou alors que vous me conseillez fortement. D'ailleurs, je vais bientôt faire MGS en Let's Play. Parce que maintenant que j'adore Death Stranding, j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans l'univers Kojima. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, petit pouce, petit commentaire. Et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et si vous avez kiffé. Ciao, ciao !